Bonjour, vous êtes avec Violaine et son petit conservatoire. Comme vous le savez, je parcours la France à la recherche des nouveaux talents. Et il y en a un que j'ai déjà fait passer deux fois, qui est ce qu'on appelle un poète urbain. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous avez enchanté avec deux précédents poèmes, et notamment un sur une zone commerciale. Et vous nous revenez avec une composition toute fraîche, comme la peinture, qui s'intitule... Water. Et non, what else, hein, comme on dit dans le café. Ah non, water. D'accord, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un doute. Mais laissons agir la poésie. J'y vais. Oui, comme quand ça presse, il faut y aller. Water. Je prends ma respiration et je vous écoute. J'ai peur des relats, toujours, quand on parle de water. J'ai amené mon frère au piano. Ah, c'est lui, oulala. Vous êtes une famille qui a bien chargé, quand même. Quel est le lieu d'aisance que l'on peut user sans être aisé? Ça, si sur une heure, ça peut être pénible, mais bon, il faut le voir, la lumière. Si ce ne sont les water qui, comme les Champs-Élysées, ont la particularité qu'il y a toujours quelque chose à faire au WC. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, il y a toujours quelque chose à faire aux Champs-Élysées. Je me rappelle Jonathan. Quel autre lieu est-il mieux connu de ses passagers? Assis sur la lunette, pas besoin d'en avoir pour contempler. Une photo de vacances au mur punaisé, un dessin d'enfant, un calendrier de pompier que l'on n'a qu'à regarder en attendant d'être délivré. Plouf. Il y a 108 carreaux de mes pieds à la porte des WC. Certains s'y réfugient pour lire des BD. D'autres n'y viennent que pour simplement flatuler. Combien de cuvettes se sont ainsi senties délaissées? Elles espéraient, mais rien n'est arrivé. Alléchées par un vent optimiste et annonciateur qui n'a rien relâché après ce bruit prometteur. Et dire que des gens déjeunent pendant ce temps. Ah, water, tu en sais beaucoup sur l'intimité cachée grâce aux positions de tes passagers discrets. Que de surprises et parfois de déceptions. Ils en font des caisses et parfois en lâchent aussi. Tu as souvent râlé pour une chasse oubliée, offrant au regard ce cadeau déstructuré. Tu peux me repasser la confiture de fraises, s'il te plaît? Water, water, water! C'est toi la star de la maison, toi que l'on demande comme une exception. On t'appelle souvent petit coin ou WC, ou double coin-coin et ça fait canard WC. C'est animalier aussi. Tu es le seul endroit toujours éclairé. Quel désarroi quand ta porte est fermée. En chantant, ouvrez, ouvrez la porte des WC. Ouvrez, ouvrez la porte des WC. Il y a des moments où l'on pourrait payer pour enfin pouvoir y entrer. Ouvrez, ouvrez la porte des WC. Le bonheur est au bout de la poignée. Ce poème est réussi et moi aussi je suis soulagé. Eh bien nous aussi, voilà, merci, au revoir tout le monde.